Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certaines de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais l'écolliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et, qui sait, une quelconque pérennité. Le bout du monde au début de ma carrière se trouvait à 80 km de Québec, à Montmagny. Une jolie petite ville, encore prospère à l'époque. On y fabriquait les poêles Bélanger, des cuisinières légendaires dans l'histoire du Québec. Une usine de biscuits faisait aussi la réputation de la ville. Une autre produisait des laveuses et des sécheuses pour le linge. C'était aussi l'époque où on poursuivait la construction de l'autoroute 20 en direction de Rivière-du-Loup. On pouvait parler d'une charmante petite ville assez dynamique au plan économique. Le 5 janvier 1967, je suis devant le 121 rue Saint-Thomas à Montmagny. L'immeuble imposant abrite les studios de mon premier employeur et ce que je découvrirai plus tard, ses appartements. Le bâtiment est austère, voire même sinistre, à bien y penser. Un ancien bureau de poste, si je ne m'abuse. Sur sa façade, quatre lettres qui impressionnent le futur animateur que je suis. CKBM. Une fois le seuil franchi, me voici à l'intérieur de l'immeuble. Devant moi, un assez long et sinistre passage. C'était lugubre. Au loin, j'entends une chanson à la mode. J'avance à pas lents, non sans inquiétude. Et là, devant moi, dans la lumière froide de l'hiver de la côte du Sud, se trouve la discothèque et ses milliers de vinyles. Toujours personne en vue. La musique prend un peu plus de volume dès que j'en sors. Je tourne à droite et tout de suite, je découvre un studio. Le premier que je vois de ma vie. Depuis la baie vitrée, émerveillé, j'observe un homme dodu et quasiment chauve qui s'active devant des tables tournantes, des magnétophones et autres bidules encore mystérieux pour moi, avec lesquels je devrais travailler sous peu. Soudain, une voix de basse à la Joseph Rouleau me demande « Qui êtes-vous, jeune homme, et que faites-vous ici ?» L'homme en complet cravate marine est petit. Il ressemble, comme deux gouttes d'eau, au comédien des belles histoires des pays d'en haut, qui tenait le rôle de jambe de bois. « Je suis Yves Blouin, monsieur. Je suis le nouvel animateur. »« Annonceur, mon petit bonhomme. Annonceur. Vous allez annoncer les messages publicitaires, l'heure des messes et du chapelet en famille, les avis de décès, l'heure d'arrivée et de départ des trains et des traversées à l'île aux grues. Tout ça entrecoupé de chansons du palmarès. » Et devant mon air pétrifié, l'homme ajoute « Au fait, je suis Olivier Poitras, directeur des programmes de CKBM. » Et oui, Henri Poitras, alias Jambe de bois, a l'immense honneur d'être mon frère. Suivez-moi, je vais vous présenter le personnel. Aïe, aïe. Approchez, jeune homme. On va pas vous manger, de dire le directeur des émissions. Je vous présente Mademoiselle Michon. C'est la comptable. Et du coup, je suis passé au rouge. J'ai entendu « Nichon » et non « Michon ». Bâtèche. Ne vous en faites pas, mon garçon. C'est pas la première fois que je fais de l'effet aux annonceurs qui sont passés par mon bureau. D'ajouter la dame d'une cinquantaine d'années, au regard lubrique et au sein gigantesque et tombant. Ce monsieur dans l'autre bureau, c'est le directeur de la station, M. Mercier. L'homme, élégant, en complet cravate, s'est levé, est venu me souhaiter la bienvenue en me serrant la main. Il avait un air de déjà-vu. C'est le pays des sosies, bâtèche. En sortant du bureau pour continuer la visite, le directeur des programmes me dit « Lui aussi a un frère qui fait de la télé à Québec, Claude Mercier. Vous voyez, Montmagny est une véritable pépinière de talent. C'est ce qui vous attend si vous vous mettez au boulot. » Et justement, le petit homme me tend une feuille qu'il avait en main depuis le début de cette tournée. De son autre main, il ouvre la porte d'une autre pièce, immense celle-là,
me montre une chaise et un pupitre avec un microphone triomphal et m'invite à aller m'y installer. Me laissant seul, le cœur en boule, les nerfs à fleur de peau, je me laisse tomber sur la chaise de bois. De l'autre côté d'une large fenêtre se tient debout, le sourire aux lèvres, les bras croisés, un colosse bedonnant, l'air d'un gentil nounours. D'un signe de main, il me fait signe de mettre le casque d'écoute. Je m'en coiffe et là, j'entends le géant me dire « Je m'appelle Régent Blais, je suis le technicien. Technicien en tout. Ouvre ton micro en appuyant sur le bouton rouge, là, devant toi. » Monsieur Poitras, venu le rejoindre en régie, me demande de faire une première lecture du texte. En silence, je lis le message publicitaire pour me le mettre en bouche, pourrait dire un sommelier. « Je suis prêt, monsieur. » Et le technicien de lancer son magnétophone. Une prise, et l'affaire était dans le sac. Le frère de jambes de bois avait les bras sciés. Le techno ne trouvait plus ses mots. Et moi, j'étais en nage. La fin du message se disait comme ceci. Condor bien sur un matelas, Condor. Après ce premier coup d'éclat publicitaire, on m'a présenté à l'animateur en ondes l'après-midi. Michel G., il s'appelait. Pas très intéressé par le petit nouveau. Oliva Poitras, une fois dans le passage, me dit « Demain, je vous présenterai au patron. Il n'est pas ici aujourd'hui. Revenez à 9h. Vous ferez aussi la connaissance de celui que vous allez remplacer. Bravo pour votre performance publicitaire. Vous êtes doué, jeune homme. » Et Oliva Poitras replaça son nœud de cravate, me tendit la main en me souhaitant la bienvenue et me recommanda avec diplomatie d'aller prendre une douche. La transpiration n'a rien de vendeur pour un bon lecteur publicitaire. Ainsi se passa mon arrivée au sein de cette équipe radiophonique d'une autre époque, avec des gens d'un autre temps, et ce, dans le premier de mes bouts du monde. Car il y en aura d'autres. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.